Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder mon bulletin de notes du premier semestre, donc de deuxième année de prépa intégrée en cycle préparatoire d'école d'ingénieur en aéronautique et aérospatiale. Donc j'ai mon téléphone, j'ai mes notes dessus, c'est-à-dire j'ai reçu mon bulletin aujourd'hui. Donc je vais vous faire la lecture de mon bulletin et je vais vous donner à chaque fois ma moyenne, la moyenne de promo et à la fin je vous donnerai l'appréciation globale, mon rang, ma moyenne générale, toutes ces informations et ce que je pense faire de mieux au deuxième semestre. Donc c'est parti! Premier module, c'est celui des mathématiques. Alors mathématiques, c'est celui où j'ai la moyenne la plus basse, donc j'ai 10,58 de moyenne et la moyenne de promo est à 11,55, donc je suis un point en dessous. C'est pas foufou, mais 10,58 supérieur à 10, ça passe. Je sais que c'est pas forcément comme ça qu'il faut le voir. Surtout, il y en a un des deux, en fait, il y a deux modules et il faut que la moyenne des deux fasse 10. Et il y a un des deux modules, j'ai 10,04, donc si j'avais eu 9 et quelques, ça passait quand même. Mais je veux dire, la moyenne entre 10,04 et 11,17 avec les pourcentages, ça fait 10,58 pour les maths. Donc bon, 10 sur le premier, 11,5 sur le 11,17 sur le deuxième. Je me suis rattrapé en maths et espérons que ça continue comme ça. J'ai dû faire, je crois que j'avais une mauvaise note sur le partiel du premier module. Donc c'est pour ça que j'ai une note aussi basse pour le premier, que je suis à 10,04, là où la moyenne de promo est à 11,60 sur ce module-là. Ensuite, on passe au pôle des sciences fondamentales. Donc là, on va voir thermodynamique, résistance des matériaux, mécanique du solide et physique des ondes. Donc la moyenne de promo est à 11,70 et je suis à 11,80, donc 0,10 au-dessus. Voilà, donc c'est la moyenne de promo quoi. Thermodynamique, par contre, ouais, c'est pas très homogène selon certaines matières. Il y en a où c'est en dessous. Ah ouais, il y en a deux où c'est à peu près pareil. Une où c'est très en dessous et une où c'est très au-dessus. Donc thermodynamique. La moyenne de promo est à 12,71 et je suis à 14,29, donc je suis bien au-dessus, j'ai 1,5 de moyenne générale. C'est peut-être parce que j'en avais déjà fait il y a 2 ans en MPSI, je me dis, parce que comme j'avais déjà vu des bases, c'était un peu des révisions pour la majeure partie des trucs, donc peut-être j'ai plus facilement retenu les choses, ou soit les contrôles sont bien passés, je sais pas. Ensuite, résistance des matériaux. Alors là, c'était rigolo, résistance des matériaux, ça va partir en story time, hein. Vous allez avoir plein d'anecdotes. Si vous voulez des anecdotes, restez jusqu'au bout de la vidéo, parce que les matières les plus intéressantes viennent avoir pas mal. Alors, résistance des matériaux, on a fait un DS, on a fait un partiel. Le DS, c'était pas bien passé, je me souviens. Il y a une partie que je savais faire et l'autre pas, j'ai eu 11. J'ai fait, bon, ça va, je m'en suis bien sorti. Et là, j'étais trop content de ce que j'ai fait. Enfin, trop content, je me suis dit, j'ai mieux réussi que mon DS. Et là, j'ai eu 9. J'ai fait, étrange. Mais bon, ça fait une moyenne en tout, donc, de 10,75. Donc, je sais plus, c'était à peu près ses notes, mais... En tout cas, le total avec un TP en plus, tout ça, ça fait 10,75. Mécanique du solide. Alors là, mécanique du solide, DS, il y avait des choses que je maîtrisais, des choses que je maîtrisais pas. C'est le jeu, hein, mais je suis pas tombé sur ce que je maîtrisais, donc c'était un peu mal passé le DS. Partiel un peu mieux, mais pas foufou. Enfin, je suis autour de 10 sur le partiel, mais... Ça s'équilibre encore une fois, 10,58. Ah oui, je ne vous ai pas donné moyenne de promo. Quand j'ai 10,75 en RDM, donc résistance des matériaux, la moyenne de promo est à 10,71. Donc je suis 0,04 au-dessus. Et ensuite, pour la mécanique du solide, je suis à 10,58, là où la moyenne de promo est à 11,76. Donc ça, je pense que c'est dû au fait que j'ai raté mon DS. Donc j'essaierai de faire mieux là-dessus, parce que j'ai compris mes erreurs et RDM, je peux progresser. Physique des ondes, 11,55, j'ai de moyenne, et la moyenne de promo est à 11,89. Ah oui, là, c'est le DS aussi. J'ai raté. Enfin, à chaque fois quand je dis c'est le DS, j'ai raté, c'est pas c'est la faute du DS si j'ai que ça. Hein. C'est moi qui ai raté parce que je maîtrisais pas très bien les notions ou que je suis passé à côté. Voilà. Je mets pas le DS en cause. Mais voilà, c'est sur le DS que je sais, j'ai fait des erreurs là où tout le monde avait bien réussi. J'avais une note assez pas mauvaise, mais mauvaise, basse. J'avais aux alentours de 10 où la moyenne de promo était à 13 ou 14, je crois, sur le DS, qui a été très bien réussi. Donc voilà, c'est là que je me suis pénalisé. Donc j'essaierai de mieux faire la prochaine fois. Donc là, je vous ai fait. Le pôle des sciences fondamentales. Après, on va passer au pôle des sciences de l'ingénieur. La moyenne de promo est à 11,98 et je suis à 13,72. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je suis presque 2 points au-dessus. Donc, encore une fois, on va voir que c'est assez inégal au niveau des matières. Bah, c'est ce qui ressortira à la fin sur ma phrase générale et je vous ferai un petit résumé de tout ça. Donc, en électromagnétisme, j'ai 9,75 et la moyenne de promo est à 10,05. Donc, je suis à peu près au truc, je suis un peu en dessous. Conception, alors CAO, c'est là où on avait fait, je vous l'ai peut-être pas dit, mais on avait construit un vélo pièce par pièce à plusieurs qu'on avait assemblé et tout. La CAO, c'est pas la matière où je suis le plus fort parce que je me fais avoir par des raccourcis, je connais pas les raccourcis, donc on n'a jamais de contrôle en présentiel sur la CAO, mais il y a des choses à faire en groupe en autonomie. J'ai l'impression de pas être performant ou de pas aider autant que ce que je voudrais les autres de mes groupes quand on fait des travaux de groupe. On a aussi des travaux individuels, mais
Je sais pas, donc c'est pas une matière avec laquelle j'ai le plus d'affinité. L'électromagnétisme, vu que j'en ai pas parlé, ouais, je vais vous faire un petit résumé vite fait des matières d'avant. Thermodynamique, je vous ai dit, c'est bien passé. Résistance des matériaux, ouais, moi en fait, je vous ai déjà parlé du pôle d'avant, donc je vais rester sur sciences de l'ingénieur, on est pas mal déjà. Électromagnétisme, c'est une nouvelle matière de cette année. L'électromagnétisme, en fait, ce qui est bizarre dans l'électromagnétisme, enfin, vous avez une méthode bourrin très dure en calcul et vous avez une méthode où si vous réfléchissez un peu, vous avez très peu de calcul à faire. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté, c'est vrai. Mais il faut avoir en fait cette subtilité de comprendre les trucs et de visualiser les choses. C'est-à-dire si vous arrivez à visualiser bien le système et ce qu'on vous demande, vous avez moyen de vous en tirer en quelques lignes. Si vous ne voyez pas, il faut passer par la méthode bourrin, enfin bourrine, et si vous n'avez pas forcément tous les changements de variables, ça peut être complexe. Donc nouvelle matière, en fait, originale et intéressante dans sa démarche et dans son approche, mais c'est pas la matière que je préfère pour le plus. Ensuite, électronique. Alors, électronique, ça se passe bien en général. Genre, premier, l'année dernière, c'est très bien passé, ce semestre aussi. Là, j'ai atomisé la moyenne de promo. Alors, quand je dis atomisé la moyenne de promo, c'est pas ouais, je suis le meilleur, j'ai comparé, je me compare aux autres, mais il y a des matières où je me suis fait exploser par la moyenne de promo et d'autres où j'ai atomisé. Voilà, ben j'ai atomisé. 15,06 de moyenne générale, j'ai sur l'électronique et la moyenne est à 11,63. Donc j'ai mis 3 points et demi en plus, donc je suis content. Et le Python aussi, programmation, j'ai fait 15,5 en moyenne et la moyenne de promo est à 12,67. Donc c'est pour ça que là où avant j'ai des moyennes qui sont un peu en dessous, ben là en étant largement au-dessus, ça fait 13,72 pour 11,98 de moyenne de promo. Les deux derniers pôles, alors. Sachez que pour ceux qui sont encore là dans la vidéo, j'ai un rattrapage. Et oui, je ne valide pas du premier coup. En aéronautique, on n'a eu qu'une seule note, donc c'est une note de partiel. Je suis passé à travers, clairement, j'ai eu 2,5. Donc déjà que la moyenne de promo était à 8. En fait, il faut avoir, en gros, dans les ensembles de matières que je vous donne, il faut avoir au-dessus de 5 minimum dans chaque truc. Et il faut que la moyenne de tout ça passe au-dessus de 10. Donc là, vous voyez, dans ce pôle aéronautique et spatial, j'ai 10,92. Et la moyenne de promo est à 12,14, donc là par contre je suis en dessous. Et ouais, bah, c'est le fait que j'ai deux moyennes très basses et deux moyennes convenables. Mais en gros, je pourrais passer parce que c'est au-dessus de 10, mais j'ai un des prérequis qui est ne pas avoir une matière en dessous de 5 qui n'est pas validée. Vous voyez, aéronautique, on n'a eu qu'une note, j'ai eu 2,5, bah 2,5 c'est en dessous de 5. Ça a été très complexe l'aéronautique, je ne vous le cache pas, matière assez chaud à réviser. Il paraît que c'est juste des choses à voir et qu'il n'y a rien à apprendre par cœur. J'avais rien appris par cœur, mais on dirait que j'avais rien appris tout court. En vrai, je l'avais travaillé l'aéronautique, mais sujet assez complexe, ou pour pas dire que le sujet était complexe, sujet que je n'ai pas compris. Voilà. On espère qu'on comprendra mieux le rattrapage. Donc c'est mon seul rattrapage, j'ai un rattrapage en aéronautique. Physique de l'univers, alors c'était une nouvelle matière cette année, physique de l'univers. Et honnêtement, c'était une matière, je sais pas comment dire, mais on avait très peu d'heures et elle était très dense. C'est-à-dire, on voyait énormément de choses en peu de temps, donc ça faisait beaucoup de connaissances à ingurgiter. Donc, j'ai pas trop aimé ce côté de l'approche. En fait, j'aurais préféré que, comme on a fait à peu près 4 cours avec 4 thèmes différents, qu'on fasse peut-être que 2 thèmes, mais que chaque cours, on approfondisse les choses ou qu'on prenne plus de temps pour s'approprier les notions et poser les bases. C'est-à-dire, pas faire un cours la relativité, un cours les échanges nucléo-protoniques, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, il y avait pas mal de choses. Donc, vu que c'était là, bon, j'avoue que j'avais pas trop révisé cette matière parce que je m'étais dit c'est une matière qui valait 12% dans l'UE. Faut que j'ai au-dessus de 5. Bah là, c'est passé, j'ai eu 6,13 parce que j'ai eu une note minable au partiel. Donc, je suis nul hein, là-dessus. Enfin, la moyenne de promo était à 10 ou 11, j'ai eu 4,5. Mais j'ai préféré réviser d'autres matières que passer du temps sur cette matière qui valait pas beaucoup dans le pourcentage. Alors, je sais que c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais. Voilà, c'est un choix que j'ai fait et je l'assume. Et s'il y a le prof qui regarde la vidéo, je lui dis, j'assume de ne pas avoir beaucoup révisé la physique de l'univers. Par contre, l'aéronautique, j'avais révisé, mais j'ai pas eu 5. Je voulais 5 en aéronautique, mais c'est pas passé. Mécanique des fluides, là, on va repasser sur des choses un peu mieux. Parce que je vous ai dit avant, j'avais atomisé l'électronique, je me suis fait atomiser par l'aéronautique et la physique de l'univers. Mécanique des fluides, 13,75 de moyenne, j'ai eu pour une moyenne de promo à 12,07. Donc un peu au-dessus, ça fait plaisir, même 1,7 au-dessus. Et grand projet. Donc grand projet télescope, j'ai eu 16 pour une moyenne de promo à 15,42. Donc je suis content, projet télescope, je suis bien investi, hâte de voir les nouvelles missions qui vont sortir pour le deuxième semestre. C'est-à-dire, je vous ai dit que je m'étais occupé de la coupole avec mon groupe, bien sûr, c'est jamais solo. Là après, c'était le choix des moteurs pour faire tourner le télescope comme ça et viser un peu les étoiles comme ça au niveau de l'inclinaison, donc rotation selon l'axe Z et selon l'axe, bon ça dépend si vous mettez un repère direct ou indirect, mais vous voyez, pour incliner le télescope et aller viser les étoiles. Donc ça c'est pour le pôle aéronautique et spatial, donc j'ai une moyenne de 10,92 pour une moyenne de promo à 12,14, donc là je suis en dessous. Et après pour terminer les sciences humaines.
Alors, je regarde un peu. J'ai 13,83 pour une moyenne de promo à 13,48. Donc, je suis légèrement au-dessus. Question contemporaine. Alors là, j'ai bien réussi aussi. Bon, c'est SH, français, philo. Philo, c'était une matière que j'aimais bien au lycée. Et même en prépa généraliste. Et même l'année dernière. Et ça continue. Donc, j'ai 14,8 pour une moyenne de promo à 11,18. Donc, 3,7 points au-dessus. Ça fait plaisir. A contrario, l'anglais, la moyenne de promo est à 15,06. Je lui ai 12,82. Donc là, je suis à 2 et quelques points en dessous. 2,2, 2,3. Donc vous voyez, c'est ça. Il y a des matières où je suis large au-dessus et des matières où je suis large en dessous. Donc des matières où je suis bon par rapport à la promo et des matières où je suis nul par rapport à la promo. Et enfin, la dernière, c'est la piscine d'anglais. Donc c'était première semaine de cours. En fait, on a fait que de l'anglais avec un professeur. Et j'ai eu 15 et la moyenne de promo est à 14,79. Donc si je vous fais le résumé de tout ça. Alors au niveau des crédits ECTS, j'en ai eu 25 sur les 30. Donc il m'en manque 5 à récupérer avec le rattrapage. Niveau moyenne générale, je suis à 12,02. La moyenne de promo est à 12 et je suis 60e sur 124. Donc comme la moitié de 124 c'est 62, je peux dire que je suis dans la première moitié. Je sais que c'est un peu du vol parce que, enfin pas du vol, mais 61 ça passait encore, 62 j'étais pile à la moitié. Mais avec 60 sur 124, on peut dire que je suis à la moitié. Et sinon concernant le compte rendu, alors Aéro 2 conseil de classe du premier semestre. Admission à passer les épreuves de rattrapage dans les ECUE matières dont la moyenne est en dessous de la note seuil, aéronautique. Donc là, voilà, c'est aéronautique. Cependant, alerte au redoublement si les épreuves de rattrapage ne permettent pas de valider tous les EE du premier semestre. Ça, je pense, c'est une phrase générique qu'ils mettent à tous ceux qui ont des rattrapages. Je sais pas combien on est à avoir des rattrapages, mais je sais pas. Je vais pas faire de pronostic. Et donc, la phrase personnalisée, c'est les résultats, bien que satisfaisants dans l'ensemble, sont inégaux, mais nous avons confiance car vous avez une marge de progression. Donc, c'est vrai que les résultats sont cool dans l'ensemble et inégaux, bah vous l'avez vu, je vous l'ai expliqué tout au long de la vidéo, il y a des fois je suis large au-dessus, des fois je suis large en dessous, des fois je suis moyen aussi, je suis à peu près à la moyenne de promo, mais il y a des gros écarts, genre l'électronique, comme je vous ai dit, j'ai 15, la moyenne de promo est 11,63, et à contrario, aéronautique, j'ai eu 2,5, la moyenne est à 8,20. Donc il y a de gros écarts sur mes notes, et nous avons confiance car vous avez une marge de progression. Donc voilà, ça c'est le bilan du conseil de classe. Donc une marge de progression, ça veut dire que je peux. Alors je ne sais pas en fait si c'est une marge de progression en termes d'égalisation pour un peu, bah, au lieu d'avoir des gros écarts, essayer de tout niveler ou essayer de marge de progression grimper au niveau des places dans le classement. Parce que si c'est une marge de progression dans le sens vous pouvez essayer de combler les lacunes et de rattraper vers la moyenne, je suis d'accord. Je vais essayer de tout faire pour essayer d'harmoniser au maximum mes notes. Après si c'est enfin si c'est dans le sens marge de progression dans le style bah, vous pouvez faire mieux niveau classement. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, honnêtement. Je préfère toujours avoir du temps libre à côté et donner du temps pour mes projets personnels et réviser les cours aussi pour que ça passe. Bon, là, il manque une matière où ça passe pas, mais ça va passer, je vais réviser en conséquence. Mais par exemple, bon, voilà, je sais que je tourne en boucle un peu sur le message, mais voilà, si c'est pour le côté uniformisé, je suis d'accord, je vais tout faire pour uniformiser. Si sur le côté, vous pouvez passer peut-être de 60e à 40e ou 30e ou 20e ou je sais pas combien. La première moitié, ça me va très bien, je continue mes projets à côté. Je préfère en fait avoir du temps libre à côté et m'aérer l'esprit à faire autre chose plutôt que perdre beaucoup de temps libre au profit de 20 places. Et je pense que 20 places, ça me rendra moins heureux que le fait de faire des projets à côté parce que vous voyez peut-être que que l'aspect une vidéo par semaine, mais à côté de ça, il y a beaucoup de projets, beaucoup de temps qui est alloué à des projets avec plein de personnes différentes. Donc vous verrez ça assez prochainement, on va dire. Donc voilà, donc c'était le petit bilan. Donc mes résolutions pour le deuxième semestre, si on peut dire ça comme ça va être essayer de remonter les matières qui sont un peu extrêmes vers le bas, donc physique de l'univers et aéronautique, essayer de les passer en one shot au prochain semestre et bah d'uniformiser tout ça en fait, pas avoir de gros gaps au-dessus, gros gaps en dessous. Enfin gros gaps au-dessus, pourquoi pas, on peut les maintenir si on a, on va dire, des facilités dans certaines matières, autant les garder. Par contre, toutes les matières où je suis un peu bas, ben on va essayer de remonter ça vers le haut et indirectement, ça fera monter mon classement. Mais le classement, ce n'est pas ce que je privilégie à première vue. Je préfère être heureux, faire des projets quand même à côté. Mais on n'oublie pas l'école, bien sûr. J'espère que pour vous, tout va bien, que vous avez bien travaillé vos cours, vos projets et que l'école se passe bien. Voilà, c'était mon petit compte-rendu. Je vous tiendrai au courant si mon rattrapage d'aéro s'est bien passé. Il va être dans les semaines à venir. Et si le premier semestre est donc validé. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!